Yo les gens, ici Rafi76250, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PC Building Simulator. Surtout pour le second épisode où je vous avais déjà fait l'épisode il y a très longtemps, l'épisode 1 où je réparais des PC que j'ai acheté via eBay. Donc vous voyez ici, PCB, donc j'appelle ça eBay, hein. PCB, on peut acheter des PC qui sont en panne et moi, bah, ce que je vais faire, je vais les acheter et les réparer et pourquoi pas les booster si c'est possible un petit peu et les revendre sur eBay, faire un profit on va dire. Donc là, d'habitude, là, la vidéo elle va être faite comme ça, mais la prochaine fois, j'essaierai de vous faire directement l'intro, on va dire, où j'achète le PC, je ferai une coupure et je ferai le PC quand il arrive parce que ça met à peu près 6 jours avant que le PC arrive. Donc c'est parti, on va s'attaquer au premier PC, voir ce qu'il a comme panne. Parce que maintenant, il faut diagnostiquer la panne. Donc là, je crois que je l'avais déjà vu. C'est très simple la panne sur celui-là, sur ce PC-là. Donc on va aller vraiment très vite à réparer. Vous allez voir. Donc on va l'ouvrir tous les côtés. Vous allez voir, déjà le problème va déjà être diagnostiqué aussitôt. Donc là, on allume le PC, regardez. Voilà, erreur, aucune RAM. Donc c'est que la RAM est morte. Donc ce qu'on va faire, on va en acheter les, on va acheter les deux mêmes. On va en acheter deux directement pour booster un peu le PC. Voilà. Ah, bah, s'il veut pas, le... c'est bien. S'il veut pas, déjà, c'est bien. Voilà. C'est pas évident hein, avec la souris. Hein. Bon, du coup, on va regarder c'est quoi comme RAM, du coup, mémoire. Donc, c'est de la G-Skill, ok. Donc là, on l'a docké, c'est pas grave. Hein. Hop. Ah, j'ai peut-être eu des nouvelles pièces aussi, moi. Ouais, j'ai eu ça comme pièce, si on peut l'enlever. Donc, c'est de la G-Skill, mémoire. Hop. Bon, par contre, on va perdre un peu de temps parce que, bah... G-Skill, on va en acheter deux comme ça, du coup. Hop, hop. Comment on, dit, on va perdre un peu d'argent parce que j'aurais pu faire deux PC d'un coup, mais tant pis. Hop, on va faire ça. Et en plus, alors si je me trompe pas dans le jeu, si je me trompe pas dans le jeu... Ah bah tiens, j'ai pas pris les pièces. Si je me trompe pas, si je dis pas de conneries, on va voir, on va faire un petit test pour voir quand même les choses que je crois que c'est une chose que j'ai découvert il y a pas longtemps. On apprend tous les jours sur ce jeu. Voilà. Hop, on va revendre ça, on va remonter tout. Tant que moi, il n'y a que ça à changer, de toute façon, il n'y avait pas autre chose à changer. Ça a combien de gigas, ça? 500 gigas, ouais, ça suffit. Hein. Pour un PC. En plus, le PC a l'air d'être pas mal, en plus. Je vais remonter ça. Comme ça, ça m'a fait investir 200 balles. Je crois que le PC, je l'avais payé 400 $, je crois. Vous allez voir si mon hypothèse est bonne. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Voilà. Juste vous dire un truc. Attendez, juste faire ça vite fait. Voilà. Juste vous dire un truc. Regardez bien le prix là-haut. C'est prix de revente 600. Vous voyez? Voilà. Donc juste pour vous dire ça. Alors attends. Donc je vais installer l'antivirus. Voir quand même s'il n'y a pas un virus. On sait jamais. Et je vais mettre le 3D Mark. Voilà. Non. Et le 3D Mark. Vous allez voir. Hop. Non. Tac. Tac. Bah non, merde, je me suis trompé. Oh, des fois, j'ai tellement de vie dans mes vidéos que. Redémarrer. Voilà. Ok, ça c'est bon. On va faire quand même l'antivirus, au cas où, si jamais, peut-être avoir un virus dessus. Hein. Comme c'est un PC que c'est pas à moi. Il n'y a pas de virus, donc ça c'est bien. On va lancer 3 des marques. Hop. Vous voyez déjà ce PC là. Le mien déjà, il obtient une note de 3535. Vous voyez, celui-là, il n'a pas de note. Et regardez bien le prix. Prix de revente 601. Vous voyez 601. Encore déjà les pièces sont pas mal déjà les pièces qu'on regarde déjà. Les pièces du PC sont vraiment pas mal. Mais c'est quoi, c'est l'autre là-bas qui est vraiment encore mieux. Je trouve il a deux cartes graphiques celui-là. Il est vraiment très bien. J'aurais pu le garder pour moi. Mais bon voilà quoi. Et on va faire ça. En même temps, ça, on sait qu'on va le revendre sur eBay. C'est ça qui est bien. Ça va me faire un peu de bénéfice. Mais les prochaines fois que j'aurai ces épisodes-là,
de cette série-là. Je pense que je ferai vraiment la capture quand j'achète le PC. Et après, bah, je vous ferai l'autre capture plus tard quand le PC arrive, quoi. Qu'on est à combien là? En plus, il a l'air d'être fluide hein, quand même. Hein. 42 FPS, c'est vraiment pas mal, hein, je trouve. Donc voilà, vous voyez, 6213. Et là, vous avez le seul PC prix de revente, 1181. Donc ça veut dire que si vous fabriquez un PC, vous réparez un PC et vous faites le 3D Mark, bah, vous faites le PC monte en prix, quoi. Donc là, c'est bon, on peut l'éteindre. Je vais m'attaquer au second PC. Hop. On va pouvoir le revendre sur eBay. Bon, si je fais pas de conneries, je vais ici, il va y être. Voilà, vente pour l'instant, il est à... Il y a pas, il y a zéro offre, donc il est à zéro. Donc on va prendre le second. Le second, c'est pareil, c'est pas un truc vraiment. Je vais vous montrer. Hop, je vais vous montrer vraiment le détail. Vous voyez, pour certains PC, vous pourrez savoir directement d'où vient le problème, quoi. Oui, c'est ça. Hop, vous allez voir, je vais l'allumer le PC. Hop, je vais mettre le petit logiciel que je vous ai parlé la dernière fois, sur ma vidéo précédente. Petit logiciel, donc je vais installer tout directement tout de suite. Voilà, hop. Je fais non, le petit logiciel. Non. Par contre, il a l'air d'aller vite là, franchement. Il va plus vite que d'habitude. Hop. Je fais oui. Et voir un truc. Et il sera allumé. On va voir à quoi sert ce logiciel-là au moins. Hop, je vais cliquer dessus, vous voyez, ça me dit processeur, une carte mère, une carte graphique, une RAM et un M2. Donc M2, c'est le... Comment on appelle ça? Ben, c'est ça, c'est le truc qui est derrière là. Un data M2. Et il vous manque quelque chose dans le PC, le disque dur. Sur que si vous ne l'avez pas affiché dans ce logiciel-là, c'est que le disque dur, il est en panne. Ça ne va pas me tromper, je vais quitter, vous allez voir. Hop, hop, je vais l'enlever. Et voilà, le disque dur est en panne. Donc là, je vais prendre directement un 4 Tera directement et je vais rajouter une RAM. Alors, il me faudrait de la RAM comme ça, du coup. Hop, j'en ai acheté deux, peut-être. Non, je vais en acheter qu'une. Il faut de la RAM, mémoire. Une Theme Group. Donc, Theme Group. Hop. Mémoire. Theme Group. Donc, c'est... C'est celle-là, voilà. Je vais en acheter une comme ça. Et je vais prendre directement, je vais pas m'emmerder, je vais prendre un stockage. Stangate, je vais mettre un 4 Tera directement. Pour être tranquille. Bon, après, ça me fait deux fois acheter les pièces, mais ce sera un investissement qui va être rentable sur le long terme, on va dire. C'est-à-dire que les PC, quand je vais pouvoir les revendre, je vais être bien, quoi. Là, hop, les pièces sont arrivées. Je peux réparer mon PC. Mémoire, voilà. Et là, vous allez voir que le truc tout ira bien. Là, je vais mettre... Par contre, là, ce câble rose, ça va être chaud. Je suis pas sûr d'en avoir du câble rose. Donc lui, on peut le mettre en vente. Donc câble rose, je sais pas si j'en ai du câble rose. J'en ai là. Je sais pas si ça va être le même câble. Ouais, c'est le même câble, ça m'indique que j'ai de la chance. Hop, ça c'est fait. Pour allumer le PC. Le PC s'est allumé. Bon, je vais faire après. Hein. Je vais faire un petit contrôle, vous allez voir. Hop. Vous voyez là, des fois, du coup, là, il me détecte bien deux RAM et un disque dur. Vous voyez, c'est vraiment que là, il n'y a aucun problème sur le PC. Donc je vais l'éteindre. Pas l'éteindre, mais je vais faire le 3D Mark. Comme vous voyez, vous pouvez voir là. 600, soit 622. Hop, je vais faire le 3D Mark. Voilà. En espérant qu'il ne plante pas, normalement, non, mais bon. Ça peut arriver un petit plantage. Hop, je remets ça devant. Voilà, nickel. Hop, il n'y a plus qu'à attendre le résultat. Je mets ça ici.
En fait, en vrai, je vous dis franchement, dans le jeu, j'arrive à gérer dans le jeu, mais en vrai, je serais pas capable de le faire en vrai. Hein. Je m'y connais vraiment pas en PC, quoi. Mais dans le jeu, j'arrive un petit peu, quoi. En fait, on va dire que dans le jeu, on peut avoir une marge d'erreur parce que c'est qu'un jeu, c'est pas la réalité, quoi. On va attendre le résultat. Donc là, c'est bien, on devrait avoir pas mal d'argent. Ça, mettons déjà, celui-là, il disait 1000 balles, c'est ça? 1000 euros. Et l'autre, ça doit être à peu près dans les 1000 euros, je crois, à peu près. Ouais, c'est cela que je crois qu'il a deux cartes graphiques, non? Ou si ça, on peut voir qu'il y a deux cartes graphiques, quoi, il me semble. Si je me trompe pas, on peut voir qu'il y en a deux. Ça, je peux pas modifier, mais. Ah non, c'est pas celui-là qu'il y en avait deux. Ou c'était l'autre alors du coup, non? Attendez. Ah non, c'est celui-là qui a deux cartes graphiques. Donc là, on en est à 4380. Donc c'est déjà... c'est un peu plus que l'autre que tout à l'heure. Hop, on va pouvoir l'éteindre. Tout marche nickel. Bah, du coup, on va le mettre dans le couloir. Non branché, ok, on le met dans le couloir du coup. Et il va s'ajouter à notre truc PC eBay. Voilà, on a les deux PC. Donc du coup, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu. Moi, je vous dis prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Salut, bye, portez-vous bien. Peace.